on vous enferme. Hein. Oui. Les ultras zurichois sont extrêmement allergiques à la présence, au contact de la police. On a des risques évidents sur les personnes, sur les infrastructures, des dommages qui peuvent être assez graves. C'est des missions qui sont vraiment chronophages. Et malheureusement, en fonction, excusez-moi du terme, mais de l'intelligence de certains supporters qui ne sont pas des supporters, on n'a pas le choix en fait. Alors on préférerait bien sûr peut-être que les lois soient plus dures pour enfin qu'on puisse assister vraiment à du sport et pas à des rixes sur rue. Les images qui sont prises ici dans le stade sont extrêmement intéressantes pour nous. Elles permettent cas échéant, en cas de problème, de pouvoir identifier des personnes qui auraient participé à des échauffourées ou des émeutes. On sait que les matchs ont lieu régulièrement, les équipes se retrouvent et rendre une décision judiciaire, comme ça a été le cas par le passé, une année ou deux ans après, c'est toujours un peu malheureux. Donc effectivement, si on arrive à être rapide tout en faisant un travail de qualité, c'est un peu le challenge, il faut le faire. Je ne désespère pas que l'identification, aujourd'hui on a des appareils et des caméras beaucoup plus fines qu'auparavant, cette identification va quand même décourager un certain nombre de ces voyous.